Bonjour les loulous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée de classe. Et la première chose que nous faisons, c'est de voir si vous avez bien réussi le défi de hier. C'était quoi au fait le défi hier? Bien sûr, il fallait fabriquer des petits instruments de musique avec des boîtes vides. Alors, qui a réussi ce petit défi? Regardons un peu. La pluie s'annonce par quelques gouttes. Il pleut de plus en plus fort. C'est l'averse. La pluie se calme. Quelques dernières gouttes et le soleil revient. Et maintenant, nous allons faire les rituels. Aujourd'hui, j'ai mis les Playmobil de certaines personnes. Il n'y en a pas beaucoup. Et la première chose que nous faisons, c'est de compter. Allez, au choix, les garçons ou les filles? Va pour les garçons. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 garçons. Nous allons donc écrire le nombre. Sais-tu comment s'écrit 13? C'est une boîte de 10 et 3. Alors, ça, c'est la ligne où il y a une boîte. Tu la vois la boîte? Donc, une boîte de 10 et 1, 2, 3, 3. 13, c'est ici. Il y a donc 13 garçons dans la classe. Et maintenant, nous allons compter les filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a donc compté 9 filles. Alors, d'après toi, où est le 9? César est un petit coquin. Et Nelly aussi d'ailleurs. Il nous cache la frise numérique. Hop. Connais-tu le chiffre 9? Si tu ne le reconnais pas, tu peux compter et t'aider de la frise numérique. On y va, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ceux qui savent lire auraient pu le lire ou compter les petits carrés, les petits cubes. Ou, comme on vient de faire, se servir de la bande numérique. Ça, c'est le 9. Aujourd'hui, il y a 9 filles dans la classe. Et maintenant, à vous de faire la comparaison, les moyens et les grands. Alors, plus de garçons ou plus de filles? Aujourd'hui, il y a plus de garçons que de filles. On voit, les garçons sont plus loin dans la bande numérique. Il y a plus de garçons que de filles. Peut-on faire une autre phrase? Il y a moins de filles que de garçons. Et combien il y a de garçons en plus? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 garçons en plus. Vous savez qu'il y a un autre moyen pour vérifier? Alors, on repart voir nos petits bonhommes. Pour vérifier ce qu'il y a le plus, on va mettre deux par deux tous les petits bonhommes. Un garçon avec une fille et on verra ce qui reste. Et voilà, qu'est-ce qu'il reste? Il reste
quatre garçons. C'est bien ce que nous avions dit. Donc aujourd'hui, il y a quatre garçons de plus. Ou il y a quatre filles en moins. En tout, ça fait quand même beaucoup de bonhommes. Et si nous comptions combien il y en a en tout? Allez, attrapons nos petites boîtes. Allez, je te laisse un peu de temps pour trouver combien il y a de bonhommes dans la classe. La première chose à faire, c'est de fermer les boîtes qui sont toutes remplies. Cette boîte est toute remplie. On ferme. Cette boîte est toute remplie. On la ferme. Et cette boîte n'est pas remplie. On ne peut donc pas la fermer. Alors, d'après toi, combien il y a d'enfants ? Deux boîtes fermées, c'est 20. Et il y en a deux à côté. 22. Nous sommes vendredi aujourd'hui. C'est le jour où je vais te poser une petite question sur le nombre. D'après toi, qu'est-ce qu'il se passe si il y a un enfant qui tombe malade? Par exemple, on va dire qu'aujourd'hui, Clotilde tombe malade et rentre chez elle. On enlève donc un enfant. Il y en avait 22. Combien il y a d'enfants maintenant? 21. Très bien. Et si maintenant un autre enfant tombe malade? Thibaut s'en va et rentre chez lui. Combien il reste d'enfants? Il reste 20. Puisque là, il n'y en a plus. 20 zéros, mais on ne dit pas le zéro. C'est comme on ne dit pas deux paquets de 10 et 0. On dit 20. Et maintenant, la question la plus difficile. S'il y a un autre enfant qui tombe malade, combien d'enfants vont rester en classe? Combien il va rester d'enfants dans la classe? Si je dois enlever encore un enfant. Et bien, pour faire ça, il va falloir que j'ouvre une boîte. Je suis obligée d'ouvrir la boîte, d'enlever un enfant. Ça sera Jade aujourd'hui. Et maintenant, tu peux trouver combien il reste d'enfants. Il en reste 10. Une boîte, 10. 9. 10. 9. Pas facile hein, de compter comme ça. Et toi, chez toi, essaye de compter à l'envers. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ce n'est pas un exercice facile. Et tu as le droit de prendre le temps pour le faire. Ou même pour y arriver. Mais avec un petit entraînement de temps en temps, tu devrais très vite y arriver. En tout cas, aujourd'hui, il y a 22 enfants. Vous voulez que je l'écrive au tableau, c'est ça? Ah, je pourrais. Je suis obligée de faire toujours tous les rituels. Hein. Alors, 22, comment cela s'écrit avec les feuilles? On a dit qu'il y avait combien de boîtes? 2, c'est ça. Et le 2, on se rappelle comment on le fait? Je fais le pont, le trait penché et la course de mouche. Deux boîtes de 10, 20. Et on a dit 22. Alors, on doit encore faire un 2. Un pont.
un trépanché et une course de mouches. Il y a donc 22 enfants aujourd'hui dans la classe de maîtresse. Quelle est votre émotion aujourd'hui? Regardons les émotions des copains avant de faire notre nouvelle émotion du jour. Je suis content parce que j'ai bien dormi. Je suis content parce que c'est ma maîtresse. Oui, tu dis ton émotion d'abord? Moi, je suis triste parce que je ne peux pas aller à l'école pour voir maîtresse. Aujourd'hui, voici mon émotion. Et oui, aujourd'hui, je suis excitée parce que je reçois plein de vidéos de certains d'entre vous et que ça me fait super plaisir de vous regarder. Et voilà, maintenant c'est l'heure de la météo. Si tu regardes par la fenêtre, aujourd'hui, que vois-tu? Il y a toujours des nuages blancs et des nuages gris. Mais derrière les nuages blancs, on commence à voir quelques rayons de soleil. Mais comme on ne le voit pas bien, regarde, on le cache sous les nuages blancs. Et comme ça, dès que le soleil apparaît, on enlève les nuages. Alors, à toi de faire la phrase. Aujourd'hui, il y a des nuages blancs et il y a des nuages gris. Peux-tu dire comment sont habillés Nelly et César aujourd'hui? Tu peux bien préciser comment sont les vêtements, de quelle couleur ils sont. Nelly a mis un anorak jaune, un pantalon bleu et des chaussures rouges. César a mis un manteau rouge, un pantalon marron et des chaussures marron. Et aujourd'hui, comment sont habillés Nelly et César? On va commencer par César. Regardez César qui s'est fait tout beau. Il a peut-être prévu de sortir ce week-end. Mais je ne sais pas si tu as le droit de sortir de la maison, César. On va dire que tu as mis le bel habit pour faire la fête. Alors, qu'a mis César aujourd'hui? Il a mis le pantalon bleu, le t-shirt à manches courtes et il a mis un petit gilet. De quelle couleur il est ce gilet? Gris. Et si tu regardes de très près, tu verras que ce gilet est comme la salopette qu'il a mise hier. Tu te rappelles le mot? Les mots, d'ailleurs, c'est un gilet en velours côtelé. Ça fait des rayures. Tu vois, je t'avais dit qu'on le reverrait ce mot, velours côtelé. César est bien joli, mais regardez, Nelly aussi a décidé de faire la fête ce week-end. Regardez comment elle s'est habillée. Elle a mis une robe rose, mais une robe pailletée, avec des paillettes ici et des paillettes sur le dessous. Une robe pailletée. Et elle a mis un t-shirt violet. Eh bien, dis donc, on peut aller faire la fête ce week-end. Vous êtes vraiment très très beau. Et toi, comment es-tu habillée? Peux-tu expliquer à l'adulte qui est assis à côté de toi comment tu es habillée? N'oublie pas de bien décrire tes vêtements. Maintenant, je donne rendez-vous aux petits tout à l'heure pour travailler les nombres. Et je garde avec moi les moyennes et les grands pour faire la date
et aujourd'hui lire notre petit mot. À tout de suite. Je me pose. En avant pour la date. D'abord, le jour. Récitons les jours de la semaine. Aujourd'hui, on va les lire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes quel jour ? Vendredi. On le sait parce que ça commence par le V de vent. Vendredi. Allez, venons chercher l'étiquette. D'après toi, hop là, où est l'étiquette de vendredi ? Ici, on voit le V qui fait V. Vendredi. Allons maintenant au calendrier pour voir le jour. Là, le jour est pareil, donc on va au jour d'après. C'est le 2 en orange et le 4, c'est-à-dire deux boîtes fermées et 4. Sais-tu lire ce nombre ? 24. Très bien. Alors, on cherche d'abord le 2 en orange, qui veut dire deux boîtes fermées. Il est là. 20. Et le 4 ? Ici. Vendredi 24. Hop là, on va bien mettre les chiffres à côté. Et maintenant, il faut le mois. On essaye de le lire aujourd'hui, le mois. Allez, regardons. Par quelle lettre il commence ? Ah ! Et après ? Avril. Avril. C'est ça. C'est bien le mois d'avril. Prenons l'étiquette. Qui est ici. Tu le vois ? Avril. Et notre petite étiquette que nous gardons, parce qu'elle ne change pas. 2020. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 avril 2020 et c'est le printemps. À toi de dire la date. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui va écrire un mot, c'est maîtresse qui écrit un mot et c'est à toi de le lire. Tu es prêt ? En avant. D'abord, on commence par les moyens. Rappelez-vous les moyens. Quels sons avons-nous travaillé cette semaine ? Le son et on l'avait marié avec beaucoup de voyelles. Alors, je te demande aujourd'hui d'essayer de lire tout seul. Cette
syllabe. À toi de lire. Si tu regardes bien les lettres, ça fait I. Si. Bravo si tu as réussi à le lire. Et maintenant, je vais rajouter deux autres lettres pour voir si tu vas encore réussir à lire. Et si tu arrives à lire, tu auras lu un mot tout seul. Regarde. Ces deux lettres vont être ensemble. Alors, à toi de lire. A. Si. A. Assis. Il y a une lettre qui ne s'entend pas, que je vais... Hop là. Une lettre, si on écrit ce mot, il y a une lettre qui ne s'entend pas. Et voilà. Assis. Bravo les moyens. Tu commences à lire quelques petits mots. À nous les grands. Est-ce que vous allez être capable de lire ce mot que je vais vous écrire? Vous êtes prêts? C'est parti. Je te laisse le lire. Si par hasard il est un peu compliqué à lire, regarde, tu peux le faire par syllabe. Ça, c'est la première syllabe. Ça, c'est la deuxième syllabe. Et ça, c'est la troisième syllabe. En avant. Comment se lit cette syllabe? Il y a le C qui fait K et le A, ça fait K. Et là, c'est bien rigolo puisque la deuxième syllabe est comme la première. Ça fait aussi K. Et là, on a le droit de rigoler. K, K. Mais c'est pas ça que j'ai écrit. Si tu regardes, il y a une dernière lettre. Celle-là, tu la connais très très bien. Alors, quel est le mot que j'ai écrit? C'est ça. K-K-O. Bravo l'écran. Je suis sûre que vous avez réussi à bien le lire et je suis fière de vous. Je vous donne maintenant rendez-vous après les petits pour travailler nos fichiers numération. Et pendant ce temps, prenez le temps de bien vous laver les mains avec du savon, comme on a vu mercredi dernier. À tout à l'heure! À nous les petits! Nous allons commencer le fichier vert. C'est le fichier numération. C'est celui qui nous permet d'apprendre à compter. Je vais te proposer aujourd'hui deux ateliers. L'atelier violet qui permet d'apprendre en parlant et l'atelier rouge qui te permet d'apprendre avec la musique. Tu as jusqu'à vendredi 1er mai pour faire ces ateliers chez toi. Et envoyer la vidéo pour que je puisse valider sur ton fichier. Tu es prêt? C'est parti! Le premier atelier que je te propose est l'atelier de Didémo. Didémo, c'est celui qui aime parler, mais qui aime aussi beaucoup les histoires. Et justement, je vais te lire une histoire qui te permet d'apprendre à compter jusqu'à 3.
On y va? C'est parti. 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Thomas, tu vas te rester comme ça et tu vas te fixer sur le livre, d'accord? 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Il était une fois une maman qui avait 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Tu fais page par page, d'accord, ma puce? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Ça va comme ça, tu arrives à le voir? Oui. Avant d'aller dormir, il prenait un bain dans 1, 2, 3 bassines. Une pour chacun. Mais, maman, maman, il manque un petit canard. Et il manque un petit seau. Et il manque... un ballon. Et oui, as-tu compté combien il y avait de seaux? Il y a 2 seaux. Combien il y a de ballons? Il y a 2 ballons. Combien il y a de canards? Il y a 2 canards. Un canard et un canard, ça fait 2 canards. Oh, pardon, mes chers petits chats. Vite, vite, vite. Voilà. Et maintenant, tout était bien. Chacun pouvait prendre son bain. Allez, à toi. Peux-tu compter s'il y a bien les 3 ballons? Tu les vois? En effet, il y en a 2 ici et 1 ici. Ça fait 3. Et les seaux, combien il y en a? 2 seaux et 1 seau, ça fait 3 seaux. Et les petits canards, peux-tu les compter? En effet, 2 canards et 1 canard, ça fait 3. Bravo! On continue l'histoire. Ensuite, il recevait 1, 2, 3 petits bols de lait, un pour chacun. Mais, maman, il manque une petite cuillère et il manque un apéron et il manque une chaise. Je vais recommencer. Je croyais que c'était bizarre que tu filmais ici. Je suis désolée, en fait, j'ai pas suivi. Bon, c'est vrai. Mais, maman, il manque une petite cuillère et il manque un apéron et il manque même une chaise. Peux-tu compter, toi, combien il y a de chaises? Une chaise et une chaise, ça fait 2 chaises. Et les cuillères, peux-tu les compter? Une cuillère et une cuillère, ça fait 2 cuillères. Bravo! Et les napperons, peux-tu les compter? Un napperon et un napperon, ça fait 2 napperons. Bravo! Continuons notre histoire. Oh, pardon, pardon, mes petits chats! Vite, vite, vite! Voilà! Regarde ce qu'elle amène, maman. Elle amène un apéron, une cuillère et une chaise. Et maintenant, ça fait combien? Regarde, il y avait 2 chaises et une chaise, ça fait 3 chaises. Il y avait 2 napperons et un autre napperon, ça fait 3 napperons. Il y avait 2 cuillères et une cuillère en plus, ça fait 3 cuillères.
Maintenant, tout était bien. Chacun pouvait boire son lait. Ensuite, ils allaient se coucher dans leur 1, 2, 3 petits lits, un pour chacun. Mais maman, maman, il manque un oreiller et il manque un doudou aussi. Et puis, moi, il me manque une lampe. Ben oui, compte-toi qui est chez toi. Combien il y a de lampes sur cette image ? Bravo, une lampe et une lampe, ça fait 2. Et les doudous, combien il y en a ? Un doudou plus un doudou, ça fait 2. Bravo. Et les oreillers, peux-tu les compter ? Oui, un oreiller et un oreiller, ça fait 2. Oh, pardon, pardon, mes petits chats. Vite, 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 voilà. Et maman amène un doudou, une lampe et un oreiller. Et maintenant, tout était bien. Les petits chats étaient prêts pour aller dormir. Alors, est-ce qu'il y a les 3 lampes ? 2 lampes plus une lampe, ça fait 3. 2 oreillers et un oreiller, ça fait 3. 2 doudous et un doudou, ça fait 3. Tout va bien. Bonne nuit, mes petits chats. Oh non, non, non. Nous, on veut 1, 2, 3 bisous avant d'aller dormir. Allez, à toi, chez toi. Fais 3 bisous à ce petit chat. Et maintenant, 3 bisous à ce petit chat. Et maintenant, 3 bisous à ce petit chat. Mais maman chat, elle avait peur de se tromper encore une fois. Alors elle eut une idée. Elle leur donna plein de bisous. Elle donna autant de bisous qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Et les petits chats ne savaient pas compter jusque-là. Et c'était très bien comme ça. Voilà, mon histoire est finie. Alors, pour valider cet atelier, il va falloir que tu fasses l'histoire en même temps que moi. C'est-à-dire que tu vas regarder cette vidéo et tu vas compter à chaque fois combien il y a d'objets quand je pose la question. Tu demandes à ce qu'on te filme et moi je regarde si tu arrives à bien compter, à bien dire quand il y en a 2 et 1, ça fait 3. Ou 1 et 1, ça fait 2. Et tu peux écouter l'histoire autant de fois que tu veux. Allez, à tout à l'heure. Maintenant, tu vas faire l'atelier de Turlututu. Turlututu, c'est celui qui apprend avec la musique. Pour faire cet atelier, il faut que tu choisisses chez toi 3 instruments de musique. Si tu n'as pas d'instrument de musique, tu peux essayer d'en inventer. Par exemple, tu peux prendre une boîte, mettre des choses dedans, et ça fait, on va dire, un maracas. Ou tu peux prendre une boîte, et si tu tapes dessus, ça fait un tambour. D'accord ? Alors, je vais te chanter une chanson, et tu vas devoir, toi, faire ta propre chanson avec les instruments que tu auras chez toi. D'accord ? Et quand tu sauras la chanter, montre-moi comment tu la chantes super bien. Ce qui est important dans cette chanson, c'est de bien compter. On est prêt ? C'est parti ! Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole ? Écoute bien, tu entendras le son de un tambour. Un tambour fait, un tambour fait,
Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de deux grelots. Deux grelots font. Deux grelots font. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de trois xylophones. Trois xylophones font. Trois xylophones font. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Voilà, à toi de faire ta petite chanson avec trois instruments. Un instrument que tu joues une fois, un instrument que tu joues deux fois et un instrument que tu joues trois fois. Je compte sur toi. Et je te donne rendez-vous maintenant pour l'histoire avec Nani. À tout à l'heure. À nous les moyennes, nous passons aussi en numération. Et comme on a fait pour le graphisme et la phono, on va tous à la même page. Nous allons apprendre à compter de 1 jusqu'à 5. D'accord? Alors normalement, tu sais déjà bien compter de 1 à 3. Et là, on va voir vraiment les quantités 4 et 5 en particulier. Je vais te proposer 4 ateliers. L'atelier violet, l'atelier rouge, l'atelier rose et l'atelier vert. Tu as le droit de les faire dans l'ordre que tu veux et autant de fois que tu veux. Tu as jusqu'au vendredi 1er mai pour les faire. Envoyez une vidéo pour que je puisse valider sur ton fichier. Attention, c'est parti! Le premier atelier que je te propose, c'est celui de 10 démons. C'est celui qui aime bien les mots et qui aime bien les histoires. Et justement, j'ai une petite histoire à te raconter. C'est l'histoire des 5 chaussettes qui puent. Tu es prêt à écouter l'histoire? Pendant que je raconte l'histoire, tu devras répondre aux questions que je te pose. C'est parti! Une chaussette qui pue. Je vais te dire pourquoi elle pue à ce point. Vois-tu la chaussette qui pue? Combien il y a de chaussettes qui puent? Il y en a une. Très bien. Et combien il reste de pieds sans chaussettes? 4. 4 et 1, ça fait 5. Je m'en suis servi pour laver la vaisselle ce matin. Ah bah oui, on comprend pourquoi elle pue cette chaussette, hein. 2 chaussettes qui puent. J'en ai trouvé une dans mes chaussures. Ça empeste. Une mouflette y a fait son nid. Bah, ça c'est sûr. Allez, à toi. Regarde bien. Combien il y a de chaussettes? Une chaussette et une chaussette, ça fait 2. Et combien il y a de pieds sans chaussettes? Bravo, 3. 3 et 2, ça fait 5 pieds. Trois chaussettes qui puent. Elle sent les petits pieds. Celle-là, je l'ai trouvée dans une poubelle de mon quartier. Alors regarde bien. Combien il y a de chaussettes sur cette image? Très bien, il y a 3 chaussettes. Et combien il y a de pieds sans
sans chaussettes. Il y a 2 pieds sans chaussettes. 3 et 2, ça fait 5 pieds pour le monstre. Bravo! Chaussettes qui puent. Pouah! Je dois me pincer le nez. Vois-tu les 4 chaussettes qui puent? Et combien il reste de pieds sans chaussettes? 1 pied sans chaussettes. 4 pieds avec chaussettes et 1 pied sans chaussettes, ça fait 5 pieds pour le petit monstre. Cette chaussette, ça sent la couche du bébé qui a besoin d'être changée. Burk. 5 chaussettes qui puent. Youpi! Je peux enfin sortir dans la rue. Vois-tu les 5 chaussettes qui puent? Eh oui, 5 chaussettes qui puent. Et aucun pied sans chaussettes. Ça fait 5. Je vais jouer à condition de retrouver mes 5 souliers qui puent. Voilà pour cette histoire. À toi maintenant de raconter cette histoire. Tu peux reprendre cette vidéo, enlever le son et essayer de raconter cette histoire. Ou tu peux la réécouter plusieurs fois et répondre aux questions. Comptez chaque fois combien il y a de pieds avec des chaussettes, combien il y a de pieds sans chaussettes et combien le monstre a de pieds. Voilà, ce qui compte, c'est bien de compter et de faire la quantité 5 en la décomposant, c'est-à-dire en disant 2 et 3, ça fait 5 ou 1 et 4, ça fait 5. Ou 5 et 0, ça fait 5. Ce n'est pas un exercice facile, mais je pense que tu peux y arriver. J'ai confiance en toi. Maintenant, nous allons faire l'atelier de Turlututu. Pour faire l'atelier de Turlututu, c'est celui qui aime la musique, il va falloir que tu trouves des instruments de musique chez toi. Peut-être que tu n'en as pas 5. Tu peux soit en inventer, en prenant des boîtes et en rajoutant des choses dedans, ou en prenant des boîtes pour taper dessus. Et si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux reprendre plusieurs fois les mêmes instruments. Pour réussir cet atelier, il faut que tu chantes la chanson avec les 5 couplets. Même si deux fois, il faut que tu reprennes un même instrument. Attention, je la chante. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de un grelot. Un grelot fait, un grelot fait. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de deux maracas. Deux maracas font, deux maracas font. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de 3 maracas. 3 maracas font. 3 maracas font. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de 4 tambours. 4 tambours font. 4 tambours font. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de 5 xylophones. 5 xylophones font. 5 xylophones font. Voilà! À toi de créer ta propre chanson avec 5 instruments différents et de bien la filmer pour que je puisse voir et valider sur ton fichier. Nous allons
allons faire maintenant l'atelier de Imaginus. Imaginus, c'est celui qui aime bien imaginer et c'est celui surtout qui aime bien observer et bricoler. Aujourd'hui, on va surtout observer. On va utiliser ce joli livre. Je vais envoyer la photo à tes parents par mail et je peux l'envoyer à ceux qui la veulent par mail, par simple demande. On va choisir une page. Cette page semble bien gourmande. Ok. Sur cette page, il va falloir que tu trouves ce qui est 4 fois et ce qui est 5 fois. Par exemple, moi je vais chercher ce qui est 2 fois. Je cherche. Je pense que ce sont les pizzas. Une pizza, une pizza. Ça fait 2 pizzas. Si je cherche ce qui est 3 fois, je pense que ce sont les sucettes. Une sucette, une sucette et une sucette. Ça fait 3 sucettes. À toi maintenant. Est-ce que tu vas réussir à trouver ce qui est 4 fois et à trouver ce qui est 5 fois sur cette page? Quand tu as trouvé, tu peux m'envoyer la réponse. L'atelier que je te propose maintenant, c'est l'atelier de tout alentour. Il va falloir donc que tu classes des images. Tout alentour, c'est celui qui aime la nature, mais c'est celui qui aime aussi faire des collections et qui aime bien les classer selon des critères. Comme nous sommes en numération, je prends la boîte verte. Pour faire cet atelier, j'ai besoin d'une boîte de tri, mais tu peux aussi le faire en posant la feuille sur par terre et en mettant les images correspondantes. Tu mets l'image là et tu as une collection de petites images. Cette collection de petites images, je l'ai envoyée par mail à tes parents ou je peux l'envoyer par mail si on me la demande. Il va falloir que tu places les images au bon endroit, c'est-à-dire que tu classes ta collection de petites images selon le critère du nombre. Par exemple, ici, combien vois-tu de petits visages? 3. Donc tu le mets dans la classe du 3. Et tu fais pareil avec les autres images. Le 4, tu le mets ici. On en prend une autre. 4, on le met aussi dans cette case. Oh, encore le 4. Alors, encore dans cette case. Et tu fais ça pour toutes les images. Nous allons aussi tous se remettre à la même page et nous allons faire la numération de 0 à 10, c'est-à-dire apprendre à bien compter des quantités entre 0 et 10. Attention, c'est parti. Je te propose 4 ateliers. Celui de Didémon, celui de Imaginus, celui de tout alentour et celui de Turlututu. Tu as le droit de faire les ateliers autant de fois que tu veux et tu as jusqu'à vendredi prochain pour les faire et m'envoyer une vidéo pour que je puisse le valider sur ton fichier. Attention, c'est parti. Le premier atelier que je te propose, c'est celui de Didémon. Didémon, c'est celui qui aime les mots et qui aime les histoires. Je vais donc te lire une histoire d'une petite chevrette et c'est surtout qui permet de compter jusqu'à 10. Pour valider cet atelier, il faut que tu puisses raconter l'histoire. Pour valider cet exercice, il va falloir que tu comptes chaque fois le nombre d'animaux qu'il y a présents sur la page. Attention, c'est parti. Un jour, la chevrette apprit les chiffres.
et elle sut compter jusqu'à 10. Elle se trouva devant une flaque d'eau et s'arrêta pour s'y regarder attentivement. Ça fait 1, compta-t-elle. Un veau qui passait par là aperçut la chevrette et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je compte, » répondit la chevrette. « Veux-tu que je te compte ?»« Aussi ?»« Oui, si ça ne fait pas mal, » dit le veau. « Pas du tout. Tu restes sans bouger et moi je compte, » dit la chevrette. « Non, attends, je vais d'abord demander la permission à maman, » dit le veau. Et il partit. Mais la chevrette le suivit. « Moi, ça fait 1, plus toi, ça fait 2. 1, 2, compta-t-elle. » Et le veau se mit de suite à pleurer. « Meuh, meuh !» En l'entendant, sa mère la vache accourut, sa clochette au cou. « Qu'est-ce qui se passe, mon trésor ? » demanda-t-elle. « La chevrette m'a compté, » dit le veau. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda sa mère. Alors la chevrette expliqua. « Moi, je sais compter jusqu'à 10. Alors j'ai fait comme ça. Moi, ça fait 1. Plus le veau, ça fait 2. Plus la mère, la vache, ça fait 3. « Oh, maman aussi a été comptée !» s'écria le veau. Mais la vache était furieuse. « Tu t'es bien moqué de nous. Viens, mon trésor, attrapons cette chevrette mal élevée. » Et le veau et sa mère se ruèrent sur la chevrette. Oh, quelle surprise pour elle! Elle sauta par-dessus la barrière et s'enfuit dans le pré. À toute vitesse! Le veau et la vache se lancèrent à sa poursuite. Dans le pré, le taureau retournait une meule de foin avec ses cornes. En voyant arriver sa femme et son fils qui poursuivaient une chevrette, il demanda « Que se passe-t-il ? Pourquoi poursuivez-vous cette petite chevrette ?»« Elle nous a compté !» dit le veau. « Alors il faut que je l'attrape !» dit sa mère. Mais tout en courant, la chevrette se remit à compter. « Moi ça fait 1, plus le veau, ça fait 2, plus la mère la vache, plus le père, le taureau, ça fait 4 !» 1, 2, 3, 4. Oh, papa a été compté aussi, s'écria le veau. Comment ? Sans me prévenir ? Gronda le taureau. Et il s'élança lui aussi à la poursuite de la chevrette. Un cheval qui broutait l'herbe au bord de la route les vit et demanda. Mais pourquoi courez-vous si vite ? Il faut attraper cette chevrette, dit la vache. Elle nous a compté, dit le veau. « Sans même nous prévenir !» ajouta le taureau. « Comment elle a fait pour vous compter ?» demanda le cheval. Et tout en courant, la chevrette répondit. « J'ai fait comme ça. Moi, ça fait 1. Plus le veau, ça fait 2. Plus la mère la vache, ça fait 3. Plus le taureau, 4. Et plus monsieur le cheval, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ! Monsieur le cheval a été compté aussi !» s'écria le veau. Hey, « Hé, attends, petite coquine !» Et en hennissant, le cheval se lança à son tour à la poursuite de la chevrette. « Ah ça, tu vas voir !» Hop là, j'ai loupé une page. Ça arrive des fois que maîtresse, elle se trompe. De près. Le cochon qui dormait dans sa porcherie s'éveilla en sursaut. « Comment se fait-il que vous soyez aussi pressé ? » demanda-t-il. « Il faut que nous attrapions cette chevrette !» dit la vache. « Elle nous a compté !» dit le veau. « Sans même nous prévenir !» dit le taureau. « Et très brutalement !» dit le cheval. « Mais comment elle a fait pour vous compter ?» puisque le... « Mais comment elle a fait pour vous compter ?» Puisque le cochon l'avait demandé, la chevrette, tout en courant, lui expliqua. « J'ai fait comme ça. Moi, ça fait 1. Plus le veau, ça fait 2. Plus sa mère la vache, ça fait 3. » Plus son père le taureau, ça fait 4. Plus monsieur le cheval, ça fait 5. Et plus vous, le cochon, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, le cochon a été compté aussi, s'écria le veau. Oh, ça tu vas voir! Et le cochon défonça le mur de la porcherie avec son groin et se lança lui aussi à la poursuite de la chevrette.
et ils sautèrent par-dessus les souches et les rochers, traversèrent des terres en friche, franchirent le marais et arrivèrent à la rivière. Un petit bateau était amarré au ponton. À bord de ce bateau, il y avait un chat, un coq et un chien. Le chat était cuisinier, le mouton garçon de cabine et le coq capitaine et le chien mécanicien. Dès qu'il aperçut les animaux qui accouraient vers son bateau, le coq s'écria « Larguez les amarres !» Mais c'était trop tard. La chevrette avait déjà sauté dans le bateau et les autres animaux y bondirent à leur tour. Et comme les amarres avaient été larguées, le bâton s'éloigna de la berge et il dériva vers le milieu de la rivière, là où l'eau était la plus profonde. Le coq avait perdu la tête. « au secours, mon bateau coule !» s'écria-t-il. En attendant tout cela, les animaux se mirent à trembler de peur. « Mais il n'y a pas quelqu'un qui sache compter ?» gémit le coq. « Si, moi je sais compter !» dit la chevrette. « Alors dépêche-toi de compter combien nous sommes !» Ce bateau est fait seulement pour 10 personnes. Et les animaux crièrent à leur tour. « Compte vite, compte vite !» Alors la chevrette se mit à compter. « Moi, ça fait 1. Plus le veau, ça fait 2. Plus Madame la vache, ça fait 3. Plus le taureau, ça fait 4. Plus le cheval, 5. Plus le cochon, 6. Plus le chat, 7. Plus le chien, 8. Plus le mouton, 9. Et plus Monsieur le coq, ça fait 10. » Très soulagés, les animaux laissèrent libres à leur joie. « Beau travail, chevrette! Bravo !» Et le bateau réussit à traverser la rivière et atteignit l'autre berge sans dommage. Les animaux mirent pied à terre, sauf la chevrette qui resta sur le bateau parce qu'elle était désormais chargée de compter tous les passagers. Et depuis, chaque fois que le coq prend des voyageurs à bord, la chevrette compte jusqu'à 10. Maintenant, je vais te montrer l'atelier de Turlututu. Turlututu, c'est celui qui aime apprendre avec la musique. Aujourd'hui, il va falloir que tu chantes la musique des nombres. Alors, tu la connais bien puisque tu la chantes depuis très longtemps. Il va falloir juste que tu la chantes aujourd'hui pour la quantité 8, la quantité 9 et la quantité 10. Pour cela, il te faut 3 instruments. Ça peut être des instruments que tu as inventés chez toi. Par exemple, une boîte dans laquelle tu as mis des graines de quelque chose ou des étiquettes. Tu vois, ça fait un instrument de musique. Ou tu peux aussi faire comme on a fait hier avec les élastiques. Une boîte avec un élastique. Tu peux aussi prendre une boîte et faire un tambour dessus. Ou, si tu as des instruments de musique chez toi, tu peux les prendre. Attention, à toi de chanter pour la chanson 8, 9 et 10. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de 8 maracas. 8 maracas font 8 maracas font. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de 9 tambours. 9 tambours font 9 tambours font 9. Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Écoute bien, tu entendras le son de 10 xylophones. 10 xylophones font 10 xylophones font. «
Dans l'orchestre de l'école, qu'est-ce que l'on rigole? Voilà. Maintenant, c'est à toi de trouver la chanson. Alors, il faut que tu fasses le logiciel qui s'appelle Colorier autant. Voilà. Donc, on compte combien il y a de coccinelles ici. Il y en a 5. Et il faut que tu trouves l'objet qui est 5 fois sur l'image. Alors, je te laisse chercher. Et tu vois, ce sont les ampoules. Donc, je clique dessus pour les colorier. Et je valide. Voilà. Et je fais pareil pour les autres quantités qui me sont données. Il faut que tu réussisses ce logiciel et que tu dises le score que tu as fait. Voilà. Amuse-toi bien. Maintenant, je te présente l'atelier de Tout Alentour. Tout Alentour, c'est celui qui aime la nature et qui aime collectionner pour faire ensuite des collections et les classer selon des critères. Alors, prenons dans la boîte verte de la numération le matériel dont nous avons besoin. Il nous faut cette fiche et les petites étiquettes. Je les ai envoyées par mail aux parents de ma classe et je peux toujours les donner à la demande par mail. Pour faire cet exercice, il faut une boîte de tri. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire directement sur la table. Vous avez donc une collection d'images. Et le but, c'est de les replacer au bon endroit. Donc ça, normalement, les enfants qui sont dans ma classe, les grandes sections qui sont dans ma classe, connaissent très bien cet exercice. Par exemple, si je prends cette image, combien y a-t-il de feuilles dessus? Il y en a 7. Alors, je cherche où c'est qu'il y a le 7. Le 7 est ici. Alors là, on voit qu'il y en a un qui est barré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je le mets dans cette case. Je prends une autre image. Combien il y en a cette fois-ci? 8. Donc, je le mets là où c'est 8. Allez, encore un. Prenons les soleils. Combien il y en a? 8 aussi. Donc on le met ici. Et à toi de faire pareil pour toutes les autres images. Voilà, c'est fini. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Alors, je te présente l'histoire d'aujourd'hui. Le titre? L'auteur? L'illustration? Et tout ça fait la couverture. Donc, l'auteur d'aujourd'hui s'appelle Philippe Corentin. Il écrit beaucoup de livres pour les enfants. Et le titre, c'est « N'oublie pas de te laver les dents ». Tu es prêt? Installe-toi. Dis-moi, papa, pourquoi on n'en mange jamais? De quoi ne mange-t-on jamais? Des petites filles? J'aimerais bien en manger une fois. Ce n'est pas très bon. C'est trop sucré. Certes, papa, mais il me plairait néanmoins d'y goûter. Écoute, je crois qu'il y en a une à côté chez notre voisin de palier. Tu n'as qu'à y aller, mais je t'aurais prévenu. C'est écœurant tellement c'est sucré. Bon, j'y vais, je reviens. C'est ça, vas-y. Bring, bring.
C'était qui ? Personne, papa. Ça devait être encore une farce de Mathéo et Basile. Qu'est-ce que tu lis ? Tu as appris tes leçons ? Qu'est-ce que t'as ? Assez. Et tes devoirs? Les as-tu fait tes devoirs? Au fait, tu as écrit à mamie? D'un petit crocodile complètement idiot. Il veut manger une petite fille. Oh, c'est une histoire de Philippe Corentin, tu sais, c'est trop drôle. Mais dis-moi, papa, pourquoi nous, on n'en mange jamais de crocodile? Ce n'est pas bon. Ça sent la vase. Mais si tu veux y goûter, il me semble en avoir aperçu un tout à l'heure. Derrière le canapé. Papa ? Papa ? Papa ? Papa ! Papa ! Papa ! Tu avais raison, papa ! C'était tellement sucré que c'est écœurant, c'est immangeable, une petite fille. Ne t'avais-je pas prévenu ? Surtout, n'oublie pas de te laver les dents. Le sucre, c'est très mauvais pour les dents. Papa, tu sais quoi ? Tout ça, ça m'a fait penser que j'ai oublié d'écrire à mamie. Fin ! Ça t'a plu ? C'était drôle, hein ? À bientôt pour une histoire ! Et voilà, nous voici tous réunis pour le défi du jour, ou plutôt le défi du week-end. Et oui, aujourd'hui nous sommes vendredi et pendant 2 jours, nous ne ferons pas classe. Cela nous permet de nous reposer et surtout de fabriquer des choses. Et ça va être ça notre défi. Vous avez 2 jours pour fabriquer quelque chose. Par exemple, moi, comme défi, j'ai décidé, vous avez vu, de prendre du tissu. Et avec ce tissu, je vais essayer de fabriquer une couverture. Ça va être mon défi de ce week-end. Et Mélanie, je crois qu'elle a un défi aussi. Qu'est-ce que tu te proposes, toi ? Elle vous propose de fabriquer du slime. Alors, à vous. J'attends de voir votre défi. Vous devez donc fabriquer quelque chose pendant le week-end. Vous pouvez soit fabriquer du slime grâce à Swazik et Nani qui nous expliquent comment on fabrique, ou vous pouvez fabriquer quelque chose et envoyer vos photos pour lundi. Ben, vous me les envoyez pour dimanche, pour que lundi, je puisse le montrer à vos copains, tout ce que vous avez fabriqué pendant le week-end. Alors, allez-vous faire de la couture, du bricolage, du slime, ou de la cuisine, ou autre chose ? À vous de nous étonner, j'attends avec impatience toutes vos photos de création. Et maintenant, passons au rituel du soir. Voilà, maintenant c'est l'heure de faire les rituels du soir. Allons au calendrier. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? En effet, aujourd'hui nous avons appris les quantités pour les petits.
de 1 à 3, pour les moyens de 1 à 5 et pour les grands de 1 à 10. Donc, nous avons appris à compter. Et nous avons écouté l'histoire de Nani. Tout à fait. Bravo! Je fais le petit dessin pour dire que la journée est terminée. Aujourd'hui, c'est une étoile. Une étoile de champion. La journée est finie, donc on barre. Et regarde, pendant 2 jours, nous ne ferons pas classe. On se retrouvera donc lundi avec les photos ou les vidéos de ce que vous aurez créé pendant le week-end, fabriqué. Ça, c'est votre défi. Et lundi, nous ferons un peu d'imagier. N'oubliez pas que pour mardi prochain, vous avez des ateliers de graphisme. Pour jeudi prochain, des ateliers de phono. Et pour vendredi prochain, des ateliers de numération. Ces ateliers, vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez. Et dès que j'ai votre vidéo, je peux les valider. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Reposez-vous, amusez-vous, sortez s'il fait soleil et surtout profitez de tout ce que vous pouvez faire à la maison. Je vous embrasse très très fort et Emma va chanter avec nous la chanson du au revoir. C'est parti! Quand on dit bonjour, quand on dit au revoir, on lève son chapeau. On se fait un écho, on se serre la main, on prend son mouchoir, on dit à lundi, on dit bon week-end. Voilà, bon week-end à tous et soyez créatifs, je vous aime fort, à très vite.